Ma Mission TV, le miroir du monde. Nali Bazo, reproche la complicité à assassinat. Balobi qui est. Oui, mais. Attendez que je termine. Balobi, Oeda qui madame Koyi au Kale, dans le monde pilastique, pour ma pète, général Delphin Kaimbi Liwa. Il réagit un peu, comme ça vous allez parler. Et pour ça, à peine à l'hôpital, on ne peut pas s'aller ma mère. Il habite à l'intérieur, il prend sa salon, la chambre, le couloir, l'escalier, on peut s'aller sur le bon sa précision. Chambre à souper, bino bien à bas. Et la chambre de place au travail. Papa, le moins qu'il n'a pas de coup, il n'a pas de coup. Ça n'a pas prouvé combien d'air n'a pas de coup. Alors, c'est bien. Est-ce que elle n'a jamais reçu le général Yav auprès d'elle pour une conversation consistant à savoir les circonstances? Pour la moule qui a son paiement. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je la moitié naïe. Aïe, bah, du souffle de tout n'a mon corps. Général, oh, aïe, qui voilà. A même à qui de l'Emmanuel, sur la pour aïe, vous fuyez, on d'a pas. On d'a pas, on d'a pas, on d'a pas. Comment on est avec le général, nani? Bah, c'est l'Eba. Qui à peu près combien? Vous avez plus de 30. Plus de 30. En tennis civil, là, on va vous suivre à l'attaque militaire. Tant que vous êtes à qui vous avez un peu de temps, vous avez un peu de combien d'air dans le cas de la 19h30, vous avez un mandat pour fouiller là. Alors, qui dit que pour le coup, je suis quitté dans l'État. Je suis allé à la salle qui est là, 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 qui est là. Monsieur le Président, nous avions suivi avec une meilleure attention les déclarations faites par Mme Brune par devant vous. Elle affirme que c'est elle qui a dit au chauffeur Serge et à sa mère d'amener le Delphin au centenaire à l'hôpital. Mon frère, il est interdit de souffler, s'il vous plaît. Mme Brenda, 13 ans de mariage, à côté de notre général. 13 ans de mariage, avec des enfants. Elle dit, le général, il l'a trouvé par terre. Vous trouvez votre mari par terre, vous appelez d'abord votre mère. Et le chauffeur s'ensuit, tu ordonnes entraîner à l'hôpital. Ma question est la suivante. Quelle est la motivation du choix de l'hôpital du cinquantenaire? Général de Feu Kaimba Kouéaki. Moutouna Nézali, pour Nanini Bossala qui a un choix de cinquantenaire, on a comme ça l'hôpital, les APB, mais il y a un peu de cinquantenaire. L'oxygène est à la côté de la semaine de la santé, l'oxygène est à la côté. Pour me rappeler, nous sommes en train de se faire un peu de paiement à qui vous couchez la tournée. On a un peu de paiement à la vie. Dans l'hôpital, l'hôpital est là pour l'oxygène. L'hôpital est là. Il y a une bidon d'affaires dans la prison. L'hôpital est là pour l'oxygène. Il y a un conteneur. Où est-ce dans l'oxygène? Merci, monsieur. Final, si elle connaît un certain général Yav. Et lorsque
Elle a reçu l'appel du général Yav. Qu'est-ce qu'il lui avait fait comme déclaration? Allez, les fonds. Je vais appeler. C'est bien. Est-ce que elle n'a jamais reçu le général Yav tout près d'elle pour une conversation consistant à savoir les circonstances de la mort du général? Qu'est-ce qu'elle avait dit au général Yav? Je dois tant recevoir la binomi balé concernant l'Iwaya Mobali Nayo. Merci, monsieur le président, que cela soit acté. Mais nous demandons au tribunal de lire le dossier Côte 111. Ce sont des déclarations que le général Yav avait bien fait. Il a été auditionné parce que le général Yav a fait la descente dans la résidence du général Buffet Delphin Kayimbi. 111. Nous pouvons y aller valablement au Côte 113 et 115. Dossier de la commission 115. Oui. Comme madame dit qu'elle n'a jamais vu le général Yav à la résidence, jamais vu, il n'a jamais été arrêté. S'il vous plaît. Une précision seulement. Nous on n'intervient pas. Une précision. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que. Elle n'a jamais reçu Yav dans le sens, évidemment, de pouvoir causer sur les circonstances, évidemment, du décès de son défunt mari. Mais le fait de venir et tout ça, au deuil et tout ça, ça c'est autre chose. Non, c'est juste des précisions. Ce sont des précisions. Nous, on ne répond pas, ce sont des précisions que nous voulons, évidemment, fournir au tribunal de notre cliente. Raison pour laquelle nous voulons ces précisions. Quand vous aurez la parole, vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Nous aurons le temps de parler. Vous tous. Merci beaucoup. Vous tous. Évoluons. Du général Yav, il a été entendu par la commission pour le fait pour lui d'arriver à la résidence du général. Voilà ce qui a été dit, si vous pouvez me permettre de lire. Le matin du 28 février 2020, je serai appelé par le général-major Mbang, qui me demandait de m'enquérir de la situation à la résidence du général Delphin. C'est ainsi que j'avais chargé mon épouse Lydia d'appeler Brenda. Celle-ci avait répondu tout en pleurant. Elle lui dira que Madame Lydia Delphin Ami Djembiki, mon épouse réagira. Mon épouse réagira, c'est-à-dire l'épouse du général Yav, Lydia. Est-il encore en vie ou mort? Où est-il? Brenda répondra, Bamemi est à l'hôpital. Lydia répliquera, où est-il? Brenda de répondre, Nandako. Madame, évitez de faire des réactions. C'est un procès pénal. Nandako. Hein. C'est un procès pénal, vraiment. Ce n'est pas de la blague ici. Nous ne sommes pas en matière civile, nous sommes en matière pénale. Évitez des chuchotements. Hein. Et le général poursuit, mon épouse, révoltée par cette réponse, commencera à lui faire des reproches, disant que Ozazo Bayamwasi, je lis les lignes d'un acte authentique. Sa fille ou bien au mari de sa fille. Après quelques minutes, il y a un mot, il y a un boulot en fait. Voilà. Ok. Sur les années, voilà que j'ai oublié, j'ai dit, peut-être. Prions avoir une précision. Nous avons entendu les déclarations de la dame Brenda
et nous voudrions que la maman nous précise. Lorsque sa fille l'a appelé, en criant, où l'a-t-elle trouvé avec moi? Tango. Il y a beaucoup de temps à pina mon balin. La chambre. La chambre. La couloir. Que quand la fille l'avait appelée, elle est venue, elle est entrée dans la chambre où se trouvait la fille à côté du mari couché par terre. La commission d'enquête, on a dit que tout est on reconnaît qu'en côté. Nous, on s'attendait à ce que on reste dans le cadre de la situation imprévenue. Mais nous nous rendons compte que on pose des questions qui ne nous permettent pas de savoir exactement où est-ce que madame, ici présente, monde depuis la scolastique, a posé des actes qui peuvent nous amener à conclure à un homicide volontaire. Quand est-ce qu'elle a fait? Parce que lors de cette instruction, il est important qu'on arrive dans les faits à comprendre qu'il y a un rapport entre le temps et l'espace. Ça s'est passé, produit exactement où? D'autant plus que la station directe, la station a prévenu, et la requête au fait des prévenus ne nous renseigne pas, même avec précision, à quelle adresse? On nous dit voilà dans la commune d'Engalema. On aurait voulu que le ministère public et la partie civile nous donnent des précisions là-dessus. La commune d'Engalema, nous supposons que c'est la plus grande commune de la ville de Kinshasa. Donc, on aimerait avoir des précisions sur ça. On aurait bien voulu qu'on nous dise, bon, à quel moment exactement. Ce manque de précision nous met dans une position. Puis la scolastique, tribunal de l'Engalema, depuis ma condamnation générale, yo. Si on a un vent à Wapi, ma pigeon. Et pas nan. Et pas moi nan. Bakanga bisopna. Kata bisop. La résidence. C'est que Badla février. Tilelo. Nakanga. Bakanga bino boutambo la kabozogaka. Natambo la kata. Besoin de la résidence. Nakanga n'y par même église. La prévenue. Au cas de Brenda, un monde depuis la scolastique pour Baboma, général Delphin Kayimbi. Il est venu dans ma camboana. Oui, maître. La saline, maman et camarade, il y a moi aussi un général. C'est tout. Mais il y a assez d'aide pour la paix, ça est moi la moussala. Moi la moussala, mon quoi, ça l'a qui te mène. N'aille pas bailler. Bailler, on a un gars, on l'a qui est moussala. C'était entre le 29 décembre ou bien le 2 janvier. Nazoé va bien te mais à quelle date on a 2020. Il y en a qui ne coûte qu'à moi la musala pour la vendre musala. Et depuis date on a attiré pour son gâteau. Jusqu'à ce que la générale a coupé. Dans mon général a coupé, tu connais qu'on ne décolle pas la matin. Nazoé coûte à moi la musala, nani ni la matin Nazoé coûte ça la musala. Jusqu'à ce qu'il a salé à peu près une semaine. Après l'IWA général, c'est ça qui au moins une semaine et demie. Né na moni ou lui. Nazaki nandaku, na moni babeti porte.
la tingi moi la langa a refoumé la porte. La fumée la porte c'était à 22h30. La moni colonel Moko Jier n'a pas pem. Na Olivier. Olivier a zara qui n'a pas. Pas quand la qui est ici. Pas côté. Pas le but qui n'a l'axe à Bango Gérard. Mon avis Gérard a zara ce soir. Poti va fouiller parce qu'il va pem naïe colonel ou anagier va fouiller va poti nanda va fouiller va vivre la moni Gérard fait il faut pas qu'un gangaï n'a pas la langue moi la gamme comme balle à l'huile maintenant la mandat de moni combo Gérard de moni combo à maman colonel ou à la menace qui coûte moi la gai à tel point pour bon délit parce qu'il y a zaki mouké mingi que le vie qui est à tikala baïe pour qu'un gangaï n'a pas la gamme balle. Il y a mi balle. C'était à 22h30. Je vais aller voir les gens. Les amis deux jupes, il y a ma peine. Là, il y a Moukien. Je crois Suzuki, mais pas Moukien. Des amis général, il y a colonel Wana. Il y a JR. Bah tout n'est pas sur Gérard Azawapi. Là, le but est Gérard à Kenya Gris. Parce que les amis ne se cachent pas dans des. Aïe, bah qui peut quitter sa malade. Na kiko la kisabango isika Gérard akendeki na iglesi colonel wana akiti na batu bakiko tuna bata kinshasa nde bazalaka wasio bayokika bazolukola basoda soki bakimisaki Gérard soki nini wananga na yebite tovandi wana jusqu'à 5h30 à 5h30 tomemani wana na bajipi wana tina demia. Tout comme il a des mères qui va déposer dans la demi-heure, qui va commencer par un angle, va tout petit avant la campagne. Tout ça, les 4 jours. 4e jour, on va se faire un bango pour. Bango. Après ça, on va se faire un pengai. Général Marcel, la Tuninga, ce qui est la ligne. La EBC, la Lubina, pour Kanginga, pour que tu aies un bon angle, va se faire un bon angle. C'est comme ça, on a retenu la demi-heure pendant 3 mois. Pendant ce temps, on a ressemblé à ça. On a eu une confrontation à Mme Brenda. Normalement, Mme Brenda a eu une caca à maman et à Ornée. Elle a eu tout nié. Elle a eu maman ou Yandimé. Elle a eu une vie à maman et à Ornée. Elle a expliqué Bango. Ndeni na pesa ki mwana msala ipaya Brenda na ndenge nini Brenda zongi saki mwana msala tangu Brenda zongi si mwana msala ngana zalaki etoni parce que ngana yeba kite pourquoi zongi si fale na tu na qu'est-ce qui se passe na tu ni Olivier na bime asali mabe ou bien yibi to nini bo zongi si ebo oh non mama de bike na kotike na no pour quelques temps. Gai na pokwa na memaki makolo na kendeti pa Madame Brenda na kiko tunaye. Na bime poko zongi si Gérard. Alubi no mama. Ezali paske ya wapazo tungisaye misale leki. Ya wana yubiki ya vanda kelke tan. Suki bakundi papa ako zonga msale. Aza mwana na ndimaki. Na vandi na ye kelke tan Gérard. Esala ki ya omwe 3 semaines. Réaction mon côté à Madame Brenda, on a zonga qui dessous pour la deuxième fois qu'on a tourné. Mais ce qui peut olinger dessous moi, on a misala des comme ça, on a peine à libérer à qui. Alors bien non, maman, zala kanaï, naï kozong. Troisième fois, naï kokende dessous, on a ibisinga le biki, le bana moi on a misala aya. Naï ibisie moi on a misala bien non, Madame là le biki okende, naï kokende, Madame, alors bien dessous la misala des. Ce qui a le bien à eux qui a pour benga eux, vous allez vous sécater na awa comme vous en avez coordonné, pour que benga eux, comme ça vous allez nous salir. C'est comme ça que la longueur qui monte nous salit pas n'engage, comme ça aye bah qui normalement aye qui tient ça bien tête. Et on a qu'elle est couverte l'église, aye aussi parce que on a qu'elle aye ça nani bandini aye ça comme ça nous dire aye moanda pour quand t'as 10 000 francs. C'est comme ça que moi nous salit qui dès qui l'église. Après une semaine, parce que là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce que moi, normalement, Brenda,
Asa yena mwana nanga bayebana ki bandaka la depuis 2001. Alors zalite ke osuki nga na ki pa kwenda na zaki kolika. De temps en temps puisque nga na zaki na kokolo ba kwenda bazaki na kananga. De temps en temps na kolika. Et puis arrivant que oh là là on dort là bas jamais de la vie la tigre est collée à la punaise attends que le mot pour y en a ni après na que lui ouais général na na il s'est général pour y quand on a TV la radio et bah na basaki na quartier on a des à partir à quartier sans vous prendre un cas qui est général de faire coupé les bails pour former la vérité maman tu qui est général de faire caïmbe. Bon, gai normalement, la zaki na besoin que na benga moi si na ipona tout na mela tala ki na bino. Pour le moment, peut-être que na émotion, moi na benga ide otema zaki te ngwa na benga kité. Mais le lendemain, de na koma ki ka sur place. Ah, toujours au cas que benga kité mais le lendemain de au koma ki sur place. Na tongo to na pourquoi? Pourquoi? La la ki kuna to zonga ki nanda. La la ki kuna ndeki mutu nyo sa ke matanga na kene kolala. À 6h, il y a le bilan de la zone. Donc, c'était avant l'enterrement général. Après la mort générale, c'est ça qui est. Non, c'était le 29 juin. Non, non, bah, on dit été. Non, non. Donc, il n'est pas transféré. Depuis le 29 juin, tu sais qu'on a sali à. La demi-heure, on a sali 3 mois, on a sali presque 8 mois. Après l'hiver général, aujourd'hui on attend un retour dans Brenda pour éviter que. Ah, pourquoi on a fait ça qu'il a mis? Aujourd'hui on attend au sol, on a fait un retour dans maman, on a fait un retour dans la maman. On a fait un retour dans la matanga. Matanga, ils ont toujours un retour dans la canine et tout ça. Les caranayo qui a joué dans le sol, on a fait un retour sur l'âge, on a fait un retour dans la crise. On a fait un retour dans la crise, c'est tout. Moi, on a yé ba ou fonke a koufi na boué boué. Une minute ou selon Gérard Arose à la gare. Naïe Bessira Gérard à sa tête parce qu'il y a la longue qui Gérard et Pananga une semaine avant Banana Boué Boué Gérard supposé à être compris sur Banaïe. Alors, dès qu'il va dans le monde, il y a des gens qui ont été en train de se général, il y a des gens qui ont été en train de na ebite papa na panda na ndapu wana te na ebakite apona ka onka kaka mkolo ba ki ko kukanganga na 22h30 wana pour vos déclarations vous avez parlé du Gérard excusez-moi oui. Gérard domestique chez Mama Brenda et un autre Gérard qui dispensait les courses, qui était en 4 heures. Vous pouvez même nous éclairer quant à ce grand Gérard. Oui. Non, non, non. Il faut un peu vérifier. Je n'ai pas dit de Gérard. Moi, je connais que Gérard qui travaillait chez Madame Brenda comme domestique. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Connaissez-vous un autre Gérard? Oui, mais Gérard Moussou, son dehors en général. Pourriez-vous confirmer par devant le tribunal que Gérard n'est revenu chez vous qu'après le décès du général? C'était après. Et pendant qu'il était en service chez Madame Brenda, il n'est jamais tombé malade et c'est cette raison qui l'aurait conduit à revenir chez vous. Mais il est venu chez moi après la mort du général, oui, en bonne santé. Vous avez dit dans vos avec de vivre. Oui. Pourriez-vous nous citer qu'est-ce qu'il avait amené? Un sac de riz, sac de semoule, carton de tomates, spaghettis et puis quelques poissons. C'était avant ou après le décès? Avant. C'était après. Après le décès. Oui, après le décès du jeune. Je connais Gérard Chimou. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez encore une bonne mémoire, à partir du jour où vous avez appris le décès du général et le jour où on est venu déposer Gérard chez vous, il s'est passé combien de temps? Attendez, on peut le voir au titre et pas dans la zone, mon collègue n'a pas vivre. Je vais attendre combien, Nicolas, combien? Ça l'a pris en gros, ça qui est à peu près une semaine ou une semaine et demie.
Après le roi général de la République. Parce qu'avant, il y a aucun décor. La faute qui gère dans le salon. Une semaine et demie. À peu près. Avant d'être au salon, le salon n'est pas général. Yanda? Et pendant que Gérard était retourné chez elle, il a eu à raconter les circonstances dans lesquelles le général était décédé. C'était parce que Nazareth qui venait. Nazareth qui venait alors, a évité ma caméra, c'est pas ça que. Le tribunal n'a pas dit. Domestique, à l'âme. Qui n'a pas de salaire pour charge de la vie. Non. Ok. Partir à Bayern. Bayern n'a pas de temps qui n'a pas de temps à faire. Par l'entremise de son frère. Ce Gérard, avant qu'elle ne l'amène chez Brenda, comme domestique, habitait où? À ça pour vendre la Kitambo et pas à maman Moko comme on est Yvette. Parce que tant que wana Bayer Nanga Lungolié a tindié na. Non, tant que Bayer Nanga a Lungolié, parce que Bazaki n'a moins de problème que la maman Yvette Wana. Dès maman Yvette a récupéré Gérard. Parce que y est Bayer a ébaki Gérard à partir à maman Yvette Wana. Dès a récupéré qui Gérard. Bon, Gérard avant de quitter pas maman Yvette. Comment Gérard a eu pas Nanga? C'est parce que Nies Nanga Moko Azaki, au sala ce bambongo yaba Banque Lambert. Gérard a proposé qui bango, a pesa qui est bongo, qui a salango pour y aller. Nies Nanga Wana, ok, Azaki déjà n'a pas visa, la Eva Mikanani, nous sommes à voyager. Bon, à voyager en bon, Gérard. $500. À voyager à Kei. Alors Gérard Azaki pour un quelqu'un qui a le week-end, il faut un gars, il y a des qui battent, il y a des gens qui battent. Mais si Gérard a fait la route de Mbongwana, jusqu'à ce qu'il a fait la route de Mbongwana, comment Gérard a fait? Oui, monsieur, à un moment précis, Gérard a commencé à prester comme domestique chez madame Brenda. C'était le 200 ou le 2 janvier 2020. Adressez votre tribunal. Oui, entre le 29 décembre et le 2 janvier, le 29 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, ses prestations. En datant, ça cataca déjà mon salaire. Tu vas à la salle qui tient, la salle à ne se mettre, cataca la catique. Là, on a qui nous juste caca l'air Olivier aïe n'aïe pas banda wana nan bazona likambo moko te Gérard aïe le côté parce après. Que Gérard a zako yé pas nanga te ki aïe ko to azonga to nini non bazong fait été matamba la moko pona santé non non pas du tout comba Gérard est nan vraiment nan aïe bika ka Gérard. Ok, oui monsieur, que Gérard puisse rester momentanément chez elle et non ailleurs. Je suis un homme qui a été un homme. Très gentil. Je pas Brenda, après qu'ils ont gâté. Ok, à le monde qui la scolastique, pour appeler ça l'Iwa, voir Boma, général Delphin, Kaïm, Yo Lobini, dans ma cambouane. Non, tribunal. C'est la zone qui tribunal est reproché à mon ami, mais à la tabouchée. Nous allons y aller. Le tribunal est là pour reprocher, c'est là pour reprocher Thomas Yabibé, procureur. Il y a un pour reprocher la complicité à l'assassinat. Bah, le but est. Oui, mais. Attendez que je termine. Bah, le but est que madame Koyi, au Kale, dans le monde pilastique, pour appeler ça général Delphin Kaïm Biliwa. Il réagit un peu, comme ça vous allez parler. C'est les faits qui lui sont reprochés. Dire qu'il est complice
Le concept de complice est simple et clair, mais les faits, puisque les ministères publics, comme toute partie, apportent les faits, jusqu'à ce stade, nous n'avons pas perçu les faits que les ministères publics ont articulés contre M. Kouminouna. Et nous avons étonnamment constaté que tout ce temps que nous avons passé, une seule question a été posée à un des coprofénus intéressant M. Kouminouna. Donc si le ministère public pouvait être plus précis par rapport au fait qu'il est l'article. Je n'ai pas envoyé la ligne de l'église. Moi, je suis un exemple. L'église de Jésus-Christ, de l'Esprit de vérité, bien. Là, je crois fait tout. Cher Brenda, Yaza Mondini, Yaza Diagonèse, Maman Mondo, de même aussi. Yaza Diagonèse au sein de l'église. Ok. Je me rappelle bien le 28 février. Maintenant, bon, moi aussi j'ai ma vie, nous sommes serviteurs de Dieu. Écoutez, maintenant, nous avons un mois de février, nous allons dans la convalescence. La santé va nous déranger là. Nous allons surpris comme on appelle, il y a madame Gwenda. Elle est là avec insistance. Quand on est au temps, on se préparer pour nous aller à l'hôpital. Là, il y a 80 jours, précision. On a 80 jours à venir plantane, numéro 1. Donc quand même un hôtel, je n'y parle. Donc juste un rond-point. Il s'agit d'un mon appel. Bon, moi le matin, je me préparais, on a l'hôpital. Même si madame a voulu m'appeler à l'hôpital, pour nous avoir piqué. Je dis que le traitement est presque à la fin. Mon appel est à madame Brun. Je suis là trois fois comme ça. Mais vous rappelez. Quand on a rappelé, à Egoye, il s'en va. Que mon bal n'aille appliquer crise. Mon bal n'aille appliquer crise. On m'a dit pardon. Je vais vous dire que vous priez pour mon bal. Bon, moi, étant un homme de Dieu, vous savez que la salle est là. La bonne de la rapport là-bas, tout, je prie pour des gens. Ils ont une église. Ils ont la libre sauté, ils ont un service, ils ont prié pour là-bas. Il y a une église, un hôpital, partout. La bande là, il y a une bonne de la rapport là-bas. Donc, on a mon avis, on a des nouveautés. Dans la Beninga, on a dit ok, ça va. La ligne pour la Bima, dans un zélo comme ça, il faut que je me prie. Dès que la commune de la porte à Beninga, on a dit Bima. Il y a 80 jours, on a dit côté de la Moutouka, il était seul au volant. Donc, je vois que je suis là, il y a un Moutouka. Et on a dit que volant parce que elle pleurait, mon ami, pardon, toi. Et ça dit que tu es une zélère, ça combi. Ma campagne est à un niveau à cinquantenaire. Tant que tu commis, tu continues à un niveau de réception, tu as dit Maman Mondo, on a dit que nous sommes tous les deux. Tant que tu commis, après, tu as dit que Mme Brenda, tu as dit que tu as dit que tu as prié pour la mobile. Vu qu'il y a bien un ressemble, ma mission était comme ça, pour prier pour son mari. Je suis à Ken, je suis à Zongi. Comme je suis à côté. La même chose, je suis maman Mondo à Kei, Baboy à côté. Après quelques temps, je suis maman Mondo à Bengi, avec Ozon, je suis de Malibanda. Ça, je suis de Banda avec Ozon, Mobali, pour tout le monde. Je suis de Simolim, pour la Koufi. Voir même Moutouka, oh, tu es de Madame Brenda, tu es de Moutouka, tu es de Moutouka. Tu es de Moutouka, tu es de va démarrer voiture, tu es bon, vu que je suis de Moutouka, 3000 francs dans ma boko, on a se débrouillé. Il y a une église après église, vu qu'il y a un programme, il y a une vieille église, il y a 50 ans, juste là, ça y est. Après, il y a un niveau de l'hôpital, il y a une fatigue, il y a besoin de l'hôpital. On a informé que madame, en tout cas, nous avons besoin de l'hôpital, nous avons prié pour l'hôpital, nous avons besoin de l'hôpital. Nous avons besoin de l'hôpital, nous avons besoin de l'hôpital. Nous avons besoin de l'hôpital, quand même bien. Et après quelques temps, après quelques jours, nous avons été aidés. Général, oui, Delphine Kaïnda, il y a un peu de temps. Il y a un pasteur, comment on a dit Pasteur prophète, Jérémy, prophète Jérémy. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Bon, moi je ne les connais pas. Il y a un peu de temps, madame, tu as dit ça ou pas. Non, ça, il y a un peu de temps, mais là, donc, au prétendant qu'on rebondit dans notre pona, Bana, moi si, Rocha Batunio sera dans le sam. Tu n'y es pas Zawana? Non. Non. Et arrivé aussi ma vie.
Donc, Azamundimi au sein de l'église. Mais prophète pour la batunios. Je prie pour tout le monde. Madame Brenda Zaba Bilo Kabombi Sakayo. Non. Bon, bah, quand on a une invitation qui est dans la nouvelle église. Tant qu'invitation comme la nouvelle église. Mais ça fait parquet de Miap Aner Service Nim. Bon, comment dit commission d'enquête sur la mort du général Delphine. Ok. Tant qu'on est dans la nouvelle église, bon, rapport à Botinga, il y a ça là. Avec nous, on n'est pas le prophète, nous sommes là. Donc, tout le monde a mis le bout de temps, on s'assemble, on prie. On a serviteur de Dieu. Papa, tu as mon invitation, tu as invitation, tu as l'invitation à prophète Jérémie, pour mener papa Kamou. L'enquête sur la mort du général. Donc, il dérange qui est moi, mon qui. Bah, j'avais ma frère, mon gars, bah, j'avais un anneau prié pour l'aïe. David, ah, mon camion. En tout cas, bah, le dossier est pour qu'il y ait mon côté. J'ai mis maître, mon avocat. Oui, bah, on va sur la route ensemble. Papa, là, frère, wana, bah, il y a frère Ngoy. Bah, il y a Tina Nivanda. Tiens, bah, commis, papa Benga. À l'accès, l'invitation, j'ai dit, ah, t'as là, mon cadeau est commis. Quand il y a un cadeau, invité l'enquête. C'est la mort. Mais quand on a tenu madame Brenda courant, elle s'est dit, ah, bon, il y a un problème, t'es comment dans le coup là? Pour que l'on ne va pas bien. Bon. Et comment dit le premier, invitation hier, le 3. Vendredi, mais nous n'avons pas. Tant la commune qu'on a, en tout cas, depuis Nabotama, c'est la première fois que nous avons mon mec. Nous allons voir ça, généraux, en tout cas, déranger à mon mec. Quand on a posé la question sur mon condiment, on a évité. Et puis, on a dit que oui, tout ça, la mesure d'enquête, tu restes là. Aucun été. Donc, si les noms, 100 personnes comme ça. Combien de jours? Donc pendant 70 jours, un jour à partir de 16h30, il faut réauditionner Bissot, même jour, ça a 30 minutes. Là où on a besoin de maman Makala. Depuis le côté Makala Tilem. J'aime bien Singana Kingo, à Joaki Bakou. On va dire incriminer Bino soit disant que c'est vous, les auteurs, et à Makambouana, Bioubanini. Très bien, on a un système où tout est dans l'Iwa. Je suis un serviteur de Dieu. Origine, il y a l'Iwa, il y a l'Iwa. À part de ma bonne, il y a l'Iwa, il y a l'Iwa, il y a la petite crise, il y a l'hôpital, il y a l'Iwa, il y a la bonne de la bonne été. Et si il y a l'Iwa, il y a l'Iwa. Des fois, madame Brenda Père, quand vous rendez visite à l'Iwa, non. Elle connaît chez vous à la maison? Non, tant déjà, une église déjà. Donc, tant on a des métiers, tant on a aussi des mariages, on a déménagé. Des fois, tant de monde en a. Ah, mon ami. Mais c'est que oui, tant on a eu ça déjà. Quand on a commencé à niveau 80 jours, ah, mon ami. Tout dans la périphérie qui m'a quoi. Hein. Mais avoir la précision. Il y a autant de bêtises sur la sacombe. Dans mon nom, on dirait, il y a eu quelques. Bon, évidemment, peut-être, dans la maîtrise, il y a adressé, mais sauf qu'il y a la précision 80 jours. La bimi, la côte de la moto. Nous avons eu à garder notre bouche, à lier notre bouche pendant plus de 10 mois. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous exprimer devant une juridiction positive. Positive, j'allais dire. Laissez-nous au moins exprimer nos inquiétudes. Pourquoi j'ai dit ça? Le tribunal n'est pas saisi par un procédé de flagrance où l'instruction doit se dérouler de la manière que nous voyons. C'est au ministère public, parce que je tiens à souligner que l'instruction tourne autour des éléments constitutifs, bien sûr, et des éléments sous-jacents aux éléments constitutifs. Alors si le ministère public ne nous expose pas les faits de manière claire et on ne nous dit pas on va tournoyer, qu'est-ce que tu connais? Le droit pénal dans le cas d'espèce subit un seul principe. C'est le principe de la légalité des lits et des peines. Et c'est en partant de ces principes que nous allons aussi préparer notre droit de défense tout en répondant aux questions du tribunal et bien évidemment aux questions des autres parties. Mais si les ministères publics ne nous étalent pas c'est pourquoi notre client est poursuivi, on risquerait de tournoyer. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Ainsi de suite. Alors qu'ici, ils vont donner leur plaidoirie. On va tirer les conséquences de droit. Mais pas commencer à dire au tribunal, écoutez, nous voulons. Non, nous ne faisons pas la volonté de la partie prévenue.
Nous sommes en pleine instruction et nous posons des questions pour lesquelles nous estimons que c'est important pour nous, en tant que ministère public, et non pour la partie prévenue. Lorsque Madame Brenda, perdant son époux, elle se permet de prendre seule le volant, malgré l'émotion, et lui ne connaissant pas conduire, quel conseil, quel discours, quel échange qu'il se disait entre les deux? Première question. Deuxième question. Il répond d'abord à la première question. Merci votre... Ne pas pouvoir apporter un élément de... C'est ce que vous croyez. Attendez qu'il réponde d'abord. Attendez qu'il réponde. Vous comment vous en attendez? On doit le bannir. Tu étais à l'aise. Quand on a la dans mon tout cas, on a dit maman, vous avez un pied levé parce que nous, en maman, vous avez un pied levé, je vais laisser les enfants à la maison. Moi aussi j'avais mes programmes, mais sauf que, mais sauf que moi, on s'est au Keba. On a mon avocat, mais malgré tout ça, c'est un objectif, il y a pourquoi on a pour prier, pour nous pour nous bonder. Ok. Ok. Votre tribunal, si il possède les numéros téléphoniques de madame Brenda. Merci beaucoup, monsieur le président. Qu'il explique qui est une diaconesse dans l'église Bima. Et j'ai dit, nous allons revenir au PV. Avec une diaconesse de l'église Bima, t'en as. Diaconesse. Merci. C'est pour poser des questions. S'appelle interview clinique en profondeur. Alors, puisque nous venons d'entendre qu'on est en train de minimiser, nous pouvons poser une même question plusieurs fois pour la confronter à une autre. Nous voulons savoir, monsieur le président, si monsieur, monsieur Jérémy peut dire, le prophète peut dire à votre tribunal combien de fois était-il déjà arrivé à la résidence de feu général Kayimbi avant son décès. Comment les questions, ils ont dit moi-même depuis l'émission, juste c'est le nom. Ils ont rappelé très bien. Les serviteurs de Dieu, Kakapona Brendaki, pour toutes les églises, le prophète de Jésus-Christ. On a commencé à mémoriser Kate, tel jour, telle période, tel moment, tel. Ça peut arriver, je peux oublier. Et arriver à moi, mon dimanche, tout le monde m'a bouleversé, on a dit qu'on a bossé un peu. Mais on a besoin de se rappeler, la comment on a pu prier. Vote 91. Question 15. Êtes-vous déjà arrivé à la résidence du général? Il dit oui. Après sa mort. Après sa mort. Alors qu'ici, lorsque le tribunal lui a posé la question d'entrée des jeux, il a dit qu'il était déjà arrivé là une fois avant la mort du général. Après sa mort. Donc avant sa mort, aux agents dans le coma comme la tête. PV, dans la partie, mon gros, on a réfléchi ça. Tout ça va y mettre. La moto. La vanda, il est généraux. Poser la question, on a bâti Tigande, Bazoué Lakinga. C'était un peu très difficile. Il y a ma réponse. Tant qu'on a eu à réfléchir, on a montré. On a comment, on a pu aller. Oui, on a comment. J'avais accepté que on a comment. On a comment, puis on a bondé. On a eu pour comment. Oui, bien sûr, on a eu qui m'attend. Nous en tirerons le tribunal appelle. Les prévenus à Moudjandro et Janou à la barre. Tout-même, Ibeko. Tout-même, Ibeko. Dans le monde de la scolastique, pour appeler ça, général Delphé Kayimbi, Liwa, Wabo Maé. Donc, il vient de vous avoir un complice là-bas. Il y a le bini dans ma camboire. Vraiment, je suis témoin, Nazali. Informé les lots comment vous dites les lots sauf qui va entre dire aujourd'hui à Koufaki c'est à l'église dans la salle pour que ça adopte normalement comme à l'église de jeudi à dimanche c'est à l'église dans le préparé culte à vendredi
la poste de service qui, après 12 heures, c'est au bureau, nous avons médité pour préparer le culte. Ma Brenda a bien eu un téléphone. Elle me dit, papa, à Foufi, à Zolera. Oui, à 4 téléphones. Je suis en train de parler de la pasteur. Je suis maman monde. Bengiye, Eliboso, n'a souhaité ma condoléance. Yami Balé, Naibisie Bouy, maman, sois forte. Mon droit pour faire le mobile, à Kolela, ma maîtrise, thé, top africain. Veillez naïe, de deux, ma coco, je crois, petit-fils Ozan Bango, veillez na banawana, ma petit-fils Ozan Bango, veillez na Bango. De trois, Zala makasi ozo lela kengela ndako ba bien matériel oyo mouwe a titre ozana yango pour le bien garder pour les voleurs ne soit qui wana communication maman c'est de là maman propose nga boy mokambi est-ce que ba mikanda ndako boko comme la biso bon j'ai dit mikanda c'est pas un danger pour nangai c'est pas un problème parce que encore yoka naye abi nazo benga mwana dopis grâce à Zali Kansa, à Bengayo, à Pessayo, Mikandawa. Je crois même pas 10 minutes, Dokis m'appelle. Avec le prophète Ozawa, il a dans l'église. Dokis Nenan. Porté à Koli. À Benginga, à Tulinga Ozawa. Il a dans l'église. Il a dans l'église. Il a dans la bandale. Il a embouteillage. Il a embouteillage à bandale. C'est là où on a dit que Nathalie, sans un endroit, on a vérifié. J'ai appelé ma fille, on a introduit Rabi, on a tenu Nathalie Ozawa. Avec papa, on a dit que 109 ans, on a dit que Nakuna n'est pas général. Tellement on a 109 comme ça, beaucoup de temps après ça, on a un endroit. C'était le vendredi. Et puis, l'opération, on a dit que c'était avant 15h. Mon père, maman, tu as lié. Une heure, tu as un embouteillage. C'est là où il y a un dako, il y a un tiki. Dans est-ce que c'est un dako? 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 Le soir et le samedi. Est-ce que c'est un dako? Est-ce que c'est un dako? Est-ce que c'est un dako? Le samedi, il y a un dako avec papa et le dako. J'ai vu 4 colis. Deux sacs, il y a des services. Il y a deux petits colis. Il y a tous. Il y a la Bible, des histoires. Il y a même pas coupé des histoires. Nazuka veste, il y a l'église. À 22h, Nazuka appelle à moi. Non, papa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a Lenge peto pokso na mato papata du papata samedi te prepara ka culte dimanche pa na eucharistie. Lenge za bona sen a permission l'église après na zonganda. Et ça fait comme de tabi bon. Toi tu maximum ta sa yoti na limité. Ta bouton il va 22h passer au ce taxi Victor ti romanda que je m'attends. Le fait que na côte na sa permission na bengi dokis. Na bi dokis si a moyen pour ça lié ka à ta l'église. Ceux qui n'ont pas de place, ils ne peuvent pas faire de la place. Ils ne peuvent pas faire de la ceux qui ont vérifié, tout le monde est cadenassé. Je sais que la foyer, mardi, lundi, ça qui est la cadenate, on va continuer à cadenat. Après, ça a changé de code de l'eau. Bon, je n'ai pas compris. Je suis sur le téléphone le vendredi, le samedi, puis la monnaie, mais on n'a pas ouvert. Là, on a fait un année. Le lundi, j'étais là. Je s'est présenté. Je trouve la question, la question qui est le directeur, je vais poser la question, 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 chef ANR pour l'opération avec l'endroit le samedi matin. Mais il y a eu ce côté à ce point de confinement. Ce qui est le côté de l'endroit côté,
à 5h du matin, à l'obino, la nuit qu'on soit bino, j'étais à Bengibiso, à Bengibino, donc passé lundi dans le bureau, pour passer à l'inventaire, dans le bureau, pour passer à l'inventaire, pour remettre, pour bien à Bango. Il a fait son travail, pour bien à Bango, pour inventer la présence de Nayo, na papa, na moi, na, pour bien à Bango, pour passer à Bango. Lundi matin, on a eu la voiture. On a déjà gombé. Confinement ici, on va confiner en haut, vu que la voiture. On a vu comme avant 10h. Tu vois, tu vois, on a un air à 9h30. Après, le numéro naïe, on a vu ce qu'on soit compliqué. On a vu le conseil de l'examen. Donc, comme on a un niveau à la réception, on a gardé vu ça. À 10h passé, aïe. Quand on a eu le directeur de la ville, à la réunion, on a fait un avocat de bureau. C'est là où nous sommes partis à Bironaï. Après quelques temps, on a vu que nous avons un côté. Le temps est en air, des assauts, la demi-heure. Donc, quand on a la demi-heure, le canal est en air sans invitation. Je vais te présenter. Bon, je suis venu sur le 29 ans. Puis, tout le monde a dit, pasteur, vas-y, maman Lilio, que tu as un problème. Je suis venu, je ne vais pas vous en mandat. Mais il y a mercredi, il y a moi. Tout le monde a dit, le mercredi, vas-y, il n'y a pas d'invitation, l'église. Je vais vous présenter cette église, petite invitation. Et puis, ça, c'est une dame. Le vendredi, c'est là où maintenant, on va te cacher ce qu'il est. Donc, depuis le 3 juillet. Yo, combien d'années? Depuis 2013, à un moment, on a. Et puis, première parole, c'est dans la salle, la Kinshasa. Que ça va, on va me faire ici. Place Moko. Là, j'ai fait 6 mois. Dans l'église Moko. C'est là où, après, j'ai ma tête, après, la tête, moi. Là, vous en 2019. Oui, monsieur le président, nous allons. Merci. Et au préalable, avec un petit commentaire, les prévenus prophètes, Jérémie. Je suis vraiment tellement heureux de vous voir. Jeanne, pardon. Merci. Nous avons tellement assez de prophètes au Congo. Il affirme avoir connu Madame Brenda depuis la famille du général depuis 2013. Le tribunal pose une question très sage. Est-ce que connaissez-vous le général personnellement comme ça? Non. Pourtant, depuis 2013, il ne prétend que l'épouse sans connaître le mari, prophète de son état. Est-ce qu'il peut dire à votre tribunal, qu'est-ce qui a motivé son esprit dans les circonstances de la mort du général Delphin Kaïm, de conseiller à Madame Mondo, la mère de la dame Brenda, de prendre les documents parcellaires parce qu'il y aurait dû y avoir des voleurs. Pourquoi a-t-il conseillé préalablement les titres parcellaires et les comptes en banque? Tant que Madame Mondo, Madame Mondo, il y a des réalités pour vous. Oh les lobes en matanga, tout le monde connaît ça. Ok, il y a place par le yenge, place à Moïbi, Banin. Et on a fait maman conseil. Dans la porte, à veiller, na mon tout pas pour faire mon bali, à veiller, na ba quoi qu'on aille, pour ce qui est à cas le yenge des alaka, et puis à veiller, na ba bien, ma bien matin, pour après l'enterrement, ma tout a toujours, bloc des alaki boé et qui n'est qui wabi. Et on a avec esprit naïke, à veiller, na nous tout, sans intérêt, tel que pasteur na fidèle. C'est ce que je veux dire. Ok, soit pour Madame Brenda, ou il prie pour les gens. Est-ce que Madame Brenda, ou sa belle-mère, la maman, Mondo, n'a-t-elle pas dit au prophète revenu Jeannot les circonstances de la mort du général Delphin Kaïm? Non, tu es vivant. Non. Vous n'avez pas eu le temps de poser cette non. question. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je ne suis pas aventurier comme tous les pasteurs ou bien comment. Je suis non posé. Même à l'église, on connaît mon comportement. Ma poste à tâté, je n'ai pas d'amis, j'ai fait mon travail. Je dis ouvertement devant mon Dieu, dans un mais je ne connais rien de ça. Même pas information pour la Liwanaï. C'était comment? Et puis, prévu, si on a mis l'église dimanche. Renseignez-vous d'aller à l'église dimanche. C'est notre doctrine. Jeudi à dimanche,
tout là dans côté de son église, c'était prévu que ça allait venir dimanche, dimanche là le lundi on peut rester ensemble avec la famille. Bon, c'est là où j'allais poser la question, mais ça que dimanche là on va te combattre tire long, ça se parle pas, ça s'appelle pas tire long. Tu vas avec qui? Avec la famille. Quelle famille? Votre famille, mais la famille générale. La maman de maman Brenne, on s'appelle pas, on se parle pas, juste quand même. Pourquoi? Je sais pas. Merci beaucoup, mais Jeannon. Il ne s'est pas intéressé sur la vie de l'époux de sa diaconesse. Depuis 2013, général Kaimbi, on s'en fout. Le premier réflexe, le général est décédé, le bien matériel. Est-ce qu'il peut dire au tribunal de votre séant, il est matérialiste? S'il vous plaît, nous savons pourquoi. Objection. Nous savons pourquoi, monsieur le président, sécurisez-nous. Objection. Nous savons pourquoi sécurisez-nous. Nous avons des PV. Objection existe. Ou pas, seul le tribunal peut nous retirer la parole. Je n'ai même pas fini ma question, j'étais en train de réfléchir, donner mes commentaires, l'agitation s'installe. Madame, faites poser des questions. Je crois que poser la question. Je crois que pour lui aussi. Autrement dit. Ça va nous amener à rien. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Votre est confirmé, il a donné le premier conseil, c'est prendre le titre parcellaire et les comptes en banque. Il ne s'est pas occupé de la cause de la mort du général. Eh bien, le fait qu'il n'a pas voulu s'occuper de la cause du général, depuis ce temps-là, que le général est à l'hôpital du cinquantenaire, jusqu'à l'enterrement, qu'est-ce qu'il a appris de part et d'autre, soit de Mme Bondo, parce que lui, il est responsable de l'église. Il est vrai que l'église, les membres Mme Bondo et Mme Brenda peuvent arriver pour les circonstances de deuil à l'église. Qu'est-ce qu'on lui a dit par Mme Bondo ou par Mme Brenda la cause réelle de la mort des fins Delphin Kaimbi? Ok, merci. Qu'est-ce que Mme Bondo et Brenda vous avez dit concernant la cause réelle de la mort du fait général Delphin Kaimbi? Merci, président. Non, le babou. On répond bien. On a l'Iwa général. Il est là. Je le jure devant mon Dieu pour la télévision. En 5, la commission posait au pasteur la question de prévenir Jeannot. En tant que pasteur, après avoir reçu la nouvelle du décès du général-major Delphin Kaimbi, voulez-vous nous faire croire que vous n'avez jamais abordé la question de la cause du décès avec la famille? Vous n'êtes-vous occupé que du matériel? La commission pose la question au pasteur. Et le pasteur a la réponse, il dit à la commission. Sincèrement, je n'avais pas cherché à avoir des détails sur la mort du général. Je me suis dit que je le ferais sur place. Moi, j'ai aussi beaucoup de défauts. Que Dieu me pardonne. Est-ce qu'il peut expliquer à votre tribunal, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Là, je vais directement. Non, je n'ai pas posé. C'est le... Dis-moi quand la ville, non. Là-bas, information à la radio, je dis, chez nous à l'église, on fait des audiences. Moi, je travaille quand j'ai dans mon poste de 6h à 18h. Il reste tellement cassé, c'est ma tête qui travaille pour les fidèles. Je dois me reposer. Ma femme est là, ma fille est là. Même si elle en a plus, même prison en télévision, je ne m'occupe pas de ça. J'ai le droit de dîner une dimanche. Il faut information. Pourquoi la nette qui m'a fait j'ai dit, c'est un défaut en anglais, il dit mais pardon alors, parce que là je c'est pas mon don. Je ne suis pas là. On ne se connaît pas de maison. Vous dans l'église, vous camille, voilà, elle n'a rien. Oui. Pour ma question, j'ai dit non. Objection. Non, il a déjà répondu non. Non. Okay. Okay. Alors, vous avez des questions? Je voudrais faire poser deux questions à monsieur Amoudian. Peut-il confirmer par devant les tribunaux qu'il est interdit aux responsables de se rendre dans la maison ou aux résidences de leurs acteurs? La réponse est claire.
dans notre doctrine à l'église Bimo. Avant mon tokenanda kwa mondini, on doit avertir la direction pour la prière. C'est là où la doctrine existe à Bimo Yango. C'est interdit. Ah oui, oui. Par rapport à la doctrine, M. Jérémy n'avait pas le droit de se rendre chez la dame Brenda. Par rapport à la doctrine. Parce que vous avez suivi les déclarations de M. Jérémy, non, l'autre pasteur Bimo. Par rapport à la doctrine, il peut confirmer par devant les tribunaux qu'il n'avait pas le droit de se rendre chez Madame Brenda. Bon. Au regard de la doctrine. Au regard de la doctrine. En tout cas, là, je vais le compléter. C'est à vous de tirer. Là, on lui demande de tirer les conclusions, les conséquences de ce que dit la doctrine. Vous est-il arrivé déjà de recevoir une plainte de la part de madame pour une prière spécifique en faveur de sa famille? Quelles étaient les quelques prophéties que vous avez faites au profit de ces couples? La réponse, c'est depuis 2013 que je connais la famille. C'est ce qu'il a dit. Depuis 2013, c'est depuis 2013 que je connais la famille. Et tout à l'heure, là, il a dit qu'il ne connaissait pas Monsieur le mari qui est décédé. Quand il disait depuis 2013 qu'il connaissait la famille. Mais ben maman Mondo, un certain dimanche, maman Brenda, quand on a eu affectation, on a parlé sur la fournaise le dimanche. Naïbi Bango, maman, na moi. Mon bali a fidèle l'église à Bimati. Tout se passe à l'église. N'a pas eu Bambatou à l'église. On fait les audiences, on va prier à l'église. Pour aller dans mon bal, c'est qu'il fallait moi aussi ne suis pas à mes mains, pas par l'église et la bravo. Je n'avais jamais prophétisé pour ce coup. Maintenant, certains croyants viennent me dire que maman Brenda regrette que je l'ai trahi parce que j'aurais collaboré avec les agents de la mer pour la saisie des effets qui étaient envoyés chez moi. Je pose des questions, pourquoi il ne se salue plus, pourquoi cette inimitié s'est installée, il a dit qu'il ne sait pas. Avant que je ne voulu, peut-il confirmer par devant les tribunaux que c'est lui qui a eu à faire cette déclaration? Pourquoi vous déclarez? Mais toi, je crois que vous l'arrêtez. Non, mais c'était le il y avait une question, ça. Oui. Il peut poursuivre. Poursuivre. Le dimanche, quand j'appelle ma maman, quand ma femme a été retenue, rue de la mer. Je dis maman, dernière conversation à ma maman, c'était le dimanche à 17h. Mais si vous vérifiez les serveurs, vous allez trouver mon appel, j'avais appelé ma maman. Avec regret. Je dis que moi, si je suis en mer, je vais faire une intervention. Ma maman me dit que je vais libérer moi, si je suis à 18h. D'ailleurs, je suis en train de me dire tu nous as trahis. Ma maman me dit que je suis au téléphone. D'ailleurs, j'avais pleuré à la maison, j'étais troublé. C'est là où vraiment, j'avais vraiment foi au cœur. Comment mon dit ah bah le bon et maman Mondo qui a déclaré le dimanche là elle même au téléphone d'abord elle m'a dit ça au téléphone. Elle a été explicite quand elle a dit que vous m'avez trahi. Les prévenus a cherché à en savoir un peu plus quand elle parlait de trahison. Elle faisait allusion à quoi? Merci pour la réponse. Je vais répondre ceci. Alobi boy mon kambi ba bisibiso biloka bo fongola ki yango. Raison pour laquelle, c'était ça la conversation avec maman au téléphone le dimanche. C'est là où je me suis dit à maman Mondo. Mais, pourquoi? Oh, c'est pas de ma faute. C'est Dokis, mon père, ma colis. Pourquoi? C'est pas notre faute, c'est la faute à Dokis. C'est un peu ça.
poser la question, toujours au Père et nous pardonnons. Celle de savoir comment a-t-il connu Monsieur Olivier. Olivier, je l'ai connu dans l'église. Elle trop petit, elle n'a pas de diplôme de santé. La fois, il y a pratiquement 6 mois, en 2013, on est plus, nous sommes séparés. La ville qui va parler, c'est monsieur. Merci. Okay. Quelque chose, on pose une question, le client répond et il y a un élément qui reste à compléter. Quand le tribunal nous prive le droit de compléter, le 57 du code de procédure pénale oblige au rédacteur de la citation à prévenir d'indiquer les faits de manière résumée, les lieux et la date de la commission de l'infraction. La requête de fixation des dates d'audience ainsi que la citation à prévenir n'indique rien du tout au sujet des faits. Rien du tout. On annonce dans cette citation les principes des droits tels qu'énoncés dans le code pénal ordinaire. Lorsque le code pénal dit « celui qui tue est appelé un meurtrier, il sera puni pour avoir tué ». Et cette citation dit « vous êtes poursuivi pour avoir tué ». Mais ce n'est pas ça les faits. Les faits, c'est on dit ce que lui a concrètement fait. Il a porté le couteau, il a fait quoi? Maintenant ma question. Oui, je sais que si j'ai soulevé l'obscurité des libellés parce que la citation est immensément obscure. Inintelligible. Je suis en train de faire maintenant un effort de comprendre avec vous. Alors, je pose la question pour comprendre. À ma connaissance, je sais que la participation criminelle, c'est les parties qui préparent les crimes avant la mort. La mort, c'est l'objectif. Mais j'attends de toutes les questions aller à date du 28, date de la mort, les après-midi, jusqu'aujourd'hui. Question, première question. Qui est-ce que mon client a posé comme acte selon le ministère public avant le 28 qu'il aurait interprété comme acte de participation selon les modes de participation conformément à l'article 21 et 22 du code pénal livre 2. Question au ministère public. J'ai posé une question. Vous allez répondre au moment opportun. Non, c'est pas possible. Ok, je peux prendre la parole pour une autre observation et une question. Faites poser les questions, comme ça, ça va nous permettre d'évoluer. Évoluer avec des questions, maître. Je vais. C'est un ministère public qui va faire ce gymnastique pendant la plénière. Est-ce que j'ai la parole? Oui, maître, parlez. Merci beaucoup. Parce que je sache, l'instruction de la cour, le tribunal de la juridiction descend, criminel. Nous lui redonnons les bras, les mains. Et je rappelle ici que le ministère public est la partie acquisante. Il allègue les faits, moi je détruis. Ce monsieur est derrière les barreaux. Il est protégé par les barreaux de Kinshasa Matete. Et lui, il les poursuit. Il cherche sa mort, moi je cherche sa vie. C'est ça la fiction juridique telle que construite par nos pères génitaires de ces droits depuis Napoléon en 1800 quelques. Et en me disant, monsieur le président, qu'il répondra dans les réquisitoires, vous balancez, vous déséquilibrez la balance de la justice vers le ministère public. Vous lui prêtez des armes pour rendre la défense facile. S'il a trébuché, s'il n'a pas bien fait son travail, c'est le moment de le savoir. S'il vous plaît, monsieur le président, vous m'avez donné la parole, je vous en prie. Je voudrais connaître, je venais de dire si, je vous en prie, monsieur le président. Personne ne peut tricher. C'est ça que je redis. Vous savez, je vous respecte beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous êtes un ministère public très compétent. Vous êtes parmi les ministères publics sur qui je compte. Moi, personnellement. Mais ça ne doit pas m'empêcher de faire mon travail. Je n'ai dit qu'on veut pas me mettre fait, poser des questions, ça va nous permettre. Peut me donner un fait, un acte posé par mon client avant le décès, qu'il aurait interprété comme étant un acte de participation criminelle. Parce que définir tout ça, ça viendra à la plaidoirie. Mais lui, dans son cabinet, on lui a dit que cette personne a fait
ceci. C'est ceci-là qu'il a interprété comme étant un acte de participation criminelle. Quel est l'acte qui rentre dans la définition des actes énumérés nommément par l'article 21 et 22 du code de procédure pénale? Ici, ce n'est pas fait. Si j'ai soulevé l'obscurité des libellés, je sais que dans ce genre de procès, on va me les refuser. Et puis mon client est en prison, je ne vais pas perdre le temps. Je ne vais pas perdre tout ce temps-là. Qu'on me dise, parce que comment je dois me défendre? Le tribunal vous a compris, le tribunal avait déjà donné. Posez la question, quel est l'acte qui a été posé par mon client avant le 28? Le ministère public va vous répondre. Le ministère public, il va vous répondre au moment opportun. Il avait déjà présenté le fait de la présentation. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez passer. Vous allez tirer toutes les conséquences. Vous êtes technicien des droits. Tirez toutes les conséquences des droits. Ok. J'ai noté que le ministère public, au moment de l'instruction, n'a pas eu une seule réponse à cette question. Si la question vient au réquisitoire, je n'aurais pas les traits. Pourquoi? Parce que tout tourne, la poursuite de mon client, tout tourne autour de quoi? On aurait entreposé des mallettes de travail de général, des effets général chez lui. Donc il contiendrait, je crois, des effets. Comment parce que. Combien de côtés dans ma cambo à exactement. On a très bien, même des canadiens. Parce que nous, on ne sommes pas venus chez toi à la maison des points. Notre honneur, la carte à Ricardo, à Zoé Bédo, je me souviens, un certain Maïnavi, 28 juin, 15h, la lumière à Pigeon. Zokende, la Zakina, Soda Moko, Azaki, Nanda, la garde, on a eu peine. Vite, Tana et Kokaki, ça va tirer l'air. Tana et Kokaki habitaient, on vivait tellement donc et ville. La profiter, la matinée, la tout cas, on diminue la tranche pour la foutre à transport. Si, n'a pas. Il était avec un militaire. Il a un nom quand même, il a un nom. Oui, comme on a dit, un nom compliqué, évoluant. Tant que pour son bien quitté, il est sûr à quitter. Je suis venu avancer, je continue à là, je suis venu à la maman. Du coup, je suis venu à la jeep. Je suis venu à la bande droite. Normalement, je suis venu à la bande droite. Du coup, je suis changé de bande. Je suis venu à la bande. Je suis venu à freiner brusque. Je suis venu à la bande. Mais je suis venu à la bande. Je vais vous donner un petit peu de temps.
Pourquoi c'est ma question que tu as dit porte-monnaie, tu as un téléphone dans la gueule. Je suis un peu de boule. Je suis un peu de boule, je suis un peu de boule. 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 La vie générale, généralement, 17h que 18h. Bah tant oui sans la ti 19h 18h30 parce que 19h30 c'est trouvé dans auditora. Oh ya 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 bon. C'est trouvé dans auditora. Nga na za na kata moto ka. Na ka bon. Moto za la gili boso oya ba no pe sa la ordre a kiti. A zo sur la téléphone. Oh moto wo yo to zui et to za na e awa. Oh donc on pense pas ba na ni ba soda na ba ko se kula na. Et pas au péja à réductionner à Sambisa. Après ça n'est pas au PJ. Problème n'est pas à la zone. Là, on a tout le problème. On a tout le monde. Et Sambisa a dossier. Dans tout le bateau, on a tout le monde. 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 Mais ça, on a expliqué. On a tout le monde. 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 Na vani na mapena na kal na kalme na se na garde calme na vani. Na vani ti ayego kita. Da wa ayego kita na wana porte inga ko tsanga ba soda o ya auditora ba zangi na porte wa bi o. Mutozo na ne ni lettre ni ma bi soto ya mai awa exacte. On no exacte sur instruction ba ko. Ba ko zanga ba na ba bi instruction. On no exacte sur instruction ba ko. Si ba bengi ye mo konjo na solo ina ba soda ba zangi na poste ne ba ko tsaki ngai. Ba mi menga ipo pe ya mo se. Ba ni ko pose nga ba question. Na tunye na mama. Awa nazo salani. Ah non, awa zana mabo ba juste ya l'état. Loko ba luka la ba luka la yo zela o ye bango kaka wa eta no pe likam. Te o sali mabe mo kote ba ko expliquer. Ah bon, ça va na vandi. Abi ça va. Vous a prêt pour jeune garçon ana aki la ki so place a utaki o tika yo na ko continuer ta ba. Azaki na ni na mabo. Azaki na Token de avenue, coach avenue, tomati. Token avenue, to coach avenue, tomati. Si token se retrouvait pas mal. A qui se retrouvait pour nous. Nena y psyon, maman Minata. Maman lobby, Gérard, na etika et awa. Oh, à lobby, ni nana, bien tika y a sogi, maman, maman, tang et si. A mon keno, a koki ko zongi sa e, a zongi sa e, pas de problème. Et si. Ok. Merci, monsieur le président. Il a affirmé que directement la résidence, il était véhiculeux. Il a klaxonné pour qu'il accède dans la concession après d'apprendre davantage où il a tourné directement pour aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était sa réaction? Cette question est importante. Nous allons y revenir parce qu'il y a des... La mati, la petite peine, la pigeon, la commis la parcelle, la balouki, la joue à peine, la balouki, la zongi, la cinquantenaire, la kepi, la peine, la même balouki. Il y a une raison là. Il y a un programme à Okende, l'aéroport que nous avons dans tout ce soir dans la Lumbashi. Ok, merci beaucoup, monsieur le président. Le code 101 du PV de la commission, lorsqu'il y a eu confrontation d'essayer prévenu Olivier avec le sergent-major Botulingano Yakusu. Lorsque vous lisez ce PV, l'OMP a fait une note. Il dit ce qui suit. À la suite de sa confrontation avec les éléments de la police militaire, sur son prétendu passage à la résidence, Olivier passera aux aveux qui n'étaient jamais arrivés à la résidence du général Delphin, comme précédemment déclaré. Alors la question. La question est la suivante. Comment il peut confirmer, il peut établir la clarté de cette contradiction? Avant, il a dit qu'il était arrivé à la résidence, par rapport à une chance qu'il n'était pas arrivé à la résidence. Pourquoi cette contradiction? Lui, une seule personne. C'est important. Pourquoi cette contradiction? Pour me traiter d'abord là-bas, j'étais torturé, moralement et physiquement. Je suis
na kabul nelo bazala soki bazala image bango bisa ba image bango bango filmé bon mon ya j'ai passé 64 jours nga moko na selile moko boye na bimaka libanda te na sokola kate ko lia de fa ba yego tikela yo soki ba lingi soki ba lingi pete ba yego tikela 64 jours eta wana ozana ngo olunge kote wana ba batia ki wana na isolement ba yena yo na na audience devant ba généraux ba la tio kabu ba zo to tire le votre honneur nous autres les autres la dernière question ne comprend pas date es-tu arrivé à la résidence du général avant sa mort c'était quand avant sa mort, je n'ai pas dit après, avant sa mort. Je venais de l'aventure de l'eau. La date, je ne me souviens pas. Merci. Devant la commission, peut-il affirmer ici qu'il était aussi sous pression devant le parquet? Est-ce que lors de votre audition, vous étiez aussi sous pression? Là, on nous avait réuni. C'est aussi une audition. Vous étiez sous pression. Okay. Monsieur le Président, peut-il confirmer que c'est bien lui, devant le parquet, accepter que les propos qu'il venait de nier tout à l'heure, qu'il a eu à tenir devant la commission pour dire qu'il était sous pression, que c'était bien lui qui a dit sur le PV du parquet que c'était bien ses déclarations. C'était très bien ses déclarations. Sans relever qu'il avait été sous pression pour vous. Parce que le parquet a posé la question. Devant le parquet confirmé. S'il vous plaît, votre honneur. Attendez qu'il réponde comme ça. Vous avez... Votre honneur, le magistrat qui était venu ici, je lui avais expliqué tout ça. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas noté ça. Je lui avais expliqué que non, j'étais sous pression. Monsieur le Président. Attendez qu'il comprenne. Non, devant le parquet, il y a certaines déclarations dont il avait accepté que ce sont ses déclarations. Mais les autres, il avait nié devant le parquet général. Hein? Il avait nié. Et puis, non seulement qu'il est en train de vous dire qu'il était torturé, mais je vous ai donné un exemple, un cas précis. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il a été auditionné, même devant l'auditoire général, à 17h, l'inscripteur, l'OPJ qui a inscrit ce dossier, appelle l'hiérarchie pour lui dire que non. Je ne vois rien de mal contre ce monsieur. Et l'hiérarchie dit, non, vous devez encore reprendre l'audition. Votre honneur. Mais ça, c'est la torture. Et l'audition a repris encore. À 19h, ils ont repris la deuxième audition. Heureusement que malgré cette torture, après avoir dit qu'il a été sous pression, devant la commission, il a confirmé les mêmes propos et son conseil vient de dire tout à l'heure parce qu'il a assisté au parquet. Puisqu'il a assisté au parquet, assisté de son avocat, qu'il était maintenant dans le bain et il a réaffirmé le même propos qu'il venait tantôt de nier. Nous en tirerons conséquence. Depuis un certain moment, la partie civile devient comme supérieure par rapport à tous. Parce que je voudrais rappeler que sur le plan de la procédure, et la partie civile, et le ministère public, partie principale dans un procès pénal, et sur le même pied d'égalité, quel est le problème? Donc nous avons des questions. Si le ministère public ne peut pas répondre à nos questions, nous allons l'attendre là où on va nous incriminer dans son réquisitoire. Là, il n'y a pas de problème, on l'aura. Mais la partie civile ne peut pas nous échapper parce qu'elle a posé beaucoup de questions. Nous avons aussi des questions à faire poser et au comprenant et à la partie civile. Si le tribunal estime qu'il a des temps aujourd'hui, nous avons des questions. S'il ne trouve pas qu'il a des temps, alors bien prochaine, nous voulons qu'il puisse nous donner. Pour question à l'audience prochaine. Merci beaucoup. C'est de votre droit vraiment le plus légitime de faire pour nous. Nous n'allons pas nous ressembler au procès de son jour, rassurez-vous. Et nous n'allons pas vendre notre peau. Pour le tribunal. Monsieur le Président, oui. Avant de renvoyer, nous avons des. Et son épouse Lydia, du colonel Aboubakar Boubamba, général Yav. Et son épouse Lydia, colonel Aboubakar Boubamba,
Serge Machukamo, Dino, le chauffeur, et Monsieur Botulangano Yakusu, sergent. Général Mamba. C'est bien noté, hein? Oh non, mais vous êtes à la page, hein? Pour le tribunal, la comparution du général Mamba. À une semaine, deux semaines, à une audience spéciale, et pas un lundi. Pas un lundi. Les témoins n'ont pas de délai. On peut renvoyer ça à une audience spéciale. Votre honneur. Moi, je pense que pour de chaque groupe, peuvent se retirer à côté même une minute pour prendre une date commune et revenir. Au lieu de l'autre demande tel jour, ça ne serait pas sérieux. Nous n'avons pas à nous retirer avec la partie. Même à jour. Nous n'avons pas de concessions à faire avec même la demain, monsieur même le président. Même demain, nous même sommes là. Même aujourd'hui, avec nous n'avons pas à nous entendre avec la partie. Le tribunal a compris votre souci. C'est sûr, c'est clair. Le tribunal a compris votre souci. Mai 2021. À une audience spéciale, hein? Au 20 mai 2021, pour la poursuite de l'instruction et pétition des témoins. Éventuellement plaidoirie. Nous sommes pressés. Mission TV, le miroir du monde.